présenter un petit diaporama sur les araignées du Limousin, mais pas que, et je vais surtout appuyer sur les particularités de ce groupe d'invertébrés. Et on va commencer déjà par les situer. Au niveau de la classification, donc les araignées, ça fait partie des arachnides. Les arachnides, c'est un groupe qui comporte plusieurs familles qu'on peut trouver en France, notamment les scorpions, les pseudoscorpions, les ophidions aussi, les acariens. Hein, les acariens, c'est ça fait partie des arachnides et c'est le plus grand, la plus grande famille qu'on peut trouver chez les arachnides, il y en a partout. Et puis aussi les araignées qui font partie de cette classe-là. Donc une araignée, comment c'est fabriqué? Bien, vous avez le corps qui est divisé en deux parties. Vous avez à l'avant ce qu'on appelle le céphalothorax, donc c'est le thorax et la tête qui sont fusionnés chez les araignées. Et à l'arrière, c'est l'abdomen. Et ces deux parties sont en contact par un petit conduit qu'on appelle le pétiole ou pellicule, par où passent tous les vaisseaux de circulation de l'araignée. Donc sur le thorax, vous avez quatre paires de pattes, les grosses pattes qui vont leur servir à marcher et à capturer leur proie. Et vous avez aussi deux petites pattes à l'avant, vous les voyez, hein, qui sont sur le devant du céphalothorax, qui sont plus petites que les quatre autres paires, et qu'on appelle des pattes mâchoires ou des pédipales. Et ça fait partie de, ça fait partie du système buccal en fait. Ça leur sert à goûter un peu leur nourriture et puis à manipuler leur nourriture. Et chez les mâles, ils vont être modifiés et ils vont leur servir à se reproduire, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Vous avez aussi une paire de crochets, ou chélicères. C'est la particularité aussi des arachnides, ils ont des chélicères et des crochets par lesquels ils vont pouvoir injecter notamment du venin. Vous avez les yeux aussi, alors chez les araignées, il y a en général 4 paires d'yeux. Il y en a certaines qui n'en ont que 3 paires, et il y en a d'autres qui en ont 0. Celles notamment qui vivent dans les grottes et qui ne voient jamais la lumière. Si vous avez des questions, vous pouvez hésiter à m'interrompre, hein, parce que je peux oublier des choses qui seraient importantes. Donc actuellement, quel est l'état de la connaissance? Donc, vous voyez, dans le monde, on connaît plus de 45 000 espèces d'araignées. On va même vers les 48 000, je crois, maintenant. Et on en découvre chaque année dans des contrées plus ou moins lointaines. On en découvre encore en France, hein, de nouvelles espèces pour la science. En France, notamment, on a plus de 1700 espèces qui sont recensées. Donc ça en fait un sacré paquet. Il y en a plus de 930 qui sont actuellement connus dans la grande région, en Nouvelle-Aquitaine, et en Limousin, on en a plus de 600 qu'on a recensés jusqu'à présent. Et il faut savoir qu'autour de vous, là, dans cette salle, on a au moins 10 espèces d'araignées qui sont présentes, qui sont flanquées, évidemment, la plupart du temps. Et il faut savoir que vous avez souvent une araignée à moins d'un mètre de vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart sont minuscules. Donc, pas de panique pour les arachnophobes. Il faut savoir aussi qu'il y a 3/4 des gens qui sont arachnophobes. Donc, je vais essayer de vous faire passer cette crainte en vous les présentant de plus près. Donc, elles sont réparties en familles aussi. Il y a une cinquantaine de familles en France et en Limousin, on en a trouvé une quarantaine. Donc, les deux photos, là, ça montre les espèces qu'on peut trouver dans les maisons. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, à gauche, c'est une petite araignée sauteuse. Et à droite, c'est le fameux faucheux ou les grandes pattes aussi, on appelle ça. C'est les araignées qu'on trouve régulièrement au plafond en milieu. Alors, le problème chez les araignées, c'est que c'est assez compliqué à déterminer. Il y a la plupart qui nécessitent d'être regardées sous forme aussi, sinon. Donc on est un peu obligé de les euthanasier, de les anesthésier dans l'alcool, donc c'est plutôt une belle fin. Pour pouvoir les regarder sous fort grossissement, puisque c'est souvent les organes génitaux qu'il faut regarder pour pouvoir différencier les espèces. Mais bon, il y a
d'espèces qu'on peut reconnaître à vue, notamment sur des photos, mais bon, la plupart doivent être déterminées sous binoculaire. Bon, c'est un domaine qui est assez peu étudié jusque-là. En Limousin, il y a notamment Marcel Crevelier qui a sorti un catalogue dans le cadre de la revue scientifique du Limousin, qui est notamment édité par l'OLEP, donc l'Association universitaire à Limousin pour l'étude de la protection de l'environnement, qui a sorti un premier catalogue des araignées présentes en Limousin en 2014. Il y a Frédéric Lagarde aussi, qui est un chercheur qui bosse plutôt sur un plateau de vaches, qui fait pas mal d'études sur les invertébrés des tourbières et des landes sur le secteur là-bas, qui bosse notamment avec le CNRS, qui a fait des inventaires et des études sur les araignées, notamment en 2018 et 2019. Et depuis quelques années, il y a le conservatoire qui s'intéresse à ce groupe animal, notamment avec des fonds de la DREAL, donc la Direction Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine. Et au niveau national, il y a une association qui existe, donc c'est l'ASFRA, l'Association Française d'Arachnologie, qui regroupe les gens qui s'intéressent à l'arachnologie, donc c'est l'étude des araignées, mais c'est aussi l'étude des autres groupes que je vous ai présentés auparavant d'arachnides, donc c'est plus les opilions, les acariens, les scorpions et autres. Donc l'ASFRA regroupe une centaine de membres en France, vous voyez, c'est quand même pas énorme. Par contre, on est en train de travailler en ce moment sur l'identification d'une liste rouge des espèces d'araignées menacées en France, puisque ben, voilà, il y a certaines espèces d'araignées qui soit vivent dans des milieux particuliers qui disparaissent, soit vivent dans des conditions aussi particulières qu'elles ne trouvent plus maintenant, qui sont menacées par tout ce genre de choses. Voilà un peu pour le constat de l'activité. Revenons un peu plus dans le détail de nos araignées, notamment des particularités pour ces animaux. Et deux qui sont assez importantes, c'est la production de soie et la production de venin. Donc toutes les araignées fabriquent de la soie. Et cette soie va leur servir à un tas de choses pour la sécurité, pour la chasse, pour la protection des œufs, etc. Et vous voyez sur le schéma d'une troupe d'araignées qu'il y a plusieurs glandes dans l'abdomen qui sont figurées en vert. C'est bien en vert là. Oui. Et qui vont, selon la glande, fabriquer un type de soie différent. Donc il y a des soies différentes en fonction de ce à quoi ça va servir par la suite. Et le venin est fabriqué dans la partie du céphalothorax, juste en dessus des crochets. Vous voyez qu'il y a une glande dans laquelle le venin va être fabriqué et va être amené dans le crochet du chélicère pour pouvoir s'en servir, notamment pour paralyser leur proie. C'est comme ceci qu'elles arrivent à les euthanasier. Et ensuite, servir en partie à la digestion aussi, la prédigestion de leur proie. Puisqu'il faut savoir aussi que les araignées ont une digestion externe. Donc la digestion, ça va être à l'extérieur par le biais de la salive et du venin qui va dissoudre les tissus des proies. Et ensuite, l'araignée va aspirer en fait le liquide nutritif par le biais d'un jabot qu'elle a. Et elle va aspirer voilà, que du liquide et que de très petits. Particules, pas de gros morceaux. Et donc la soie qui va notamment servir à fabriquer des toiles. Là vous en avez quelques exemples. Donc des toiles qui sont figurées ici sont des toiles de chasse, donc qui vont se servir à l'araignée pour capturer ses proies. Donc il y en a de différentes formes, notamment en fonction des familles d'araignées. Donc les plus connues, ce sont les toiles en forme de roues de bicyclette. On appelle ça des toiles géométriques, que les araignées font, notamment en ce moment, les épères, qui construisent leurs toiles en forme de roues de bicyclette. Et donc sur ce type de toile, par exemple, il y a différents types de soies. Il y a une soie qui est assez rigide et qui va servir pour l'architecture de la toile,
et une soie qui est collante, dont l'araignée va se servir pour faire la spirale au cœur de la toile, pour pouvoir, quand une proie se prend dans la toile, qu'elle soit collée, qu'elle ait des difficultés pour s'enfuir. Donc il y a certaines espèces aussi, dont vous voyez les schémas un petit peu au pied de l'arbre, qui vont avoir d'autres techniques un petit peu plus actives. Une araignée qu'on trouve pas en France, qui va faire une espèce de boule de soie qu'elle va remuer dans le vide pour attirer un certain type de papillons et pouvoir le capturer ainsi. Et une autre espèce aussi qui va tenir sa toile suspendue dans le vide et qui va attendre qu'une proie passe en dessous pour se jeter dessus tout en étirant sa toile. Donc ça, c'est un petit peu plus évolué comme système de chasse. Une autre particularité aussi, c'est les yeux des araignées. Donc, il y a certaines familles dans les deux photos les illustrent. C'est les araignées sauteuses sur la photo du haut et les araignées loups sur la photo du bas. On va avoir une vision assez précise pour pouvoir chasser, notamment de jour, leurs proies. Et on peut aussi voir, suivant les différentes familles, une disposition différente des yeux. C'est ce que vous avez sur le schéma en bas à droite. Vous voyez que, en fonction des familles, vous avez des yeux plus ou moins de style. Et en nombre différent aussi. Le plus souvent, c'est 8 yeux, mais vous avez certaines familles qui ont 6 yeux. Et une autre particularité aussi dans la sensibilité des araignées, ce sont les soies qu'on appelle les trichomotripes, qui sont des organes qui sont très sensibles. Vous voyez sur la photo au microscope, avec la flèche dessus. J'ai pas de flèche. Vous voyez la photo au microscope que la soie en fait est dans une petite cupule de la particule de l'araignée. Et elle est directement liée au système nerveux. Et donc dès que la soie va vibrer avec un mouvement de l'air, des vibrations au sol, les araignées vont être informées de ce qui se passe. Et donc elles ont une appréhension de leur environnement très très fine. Et c'est pour ça que c'est des très très bonnes chasseuses et de très très bons prédateurs. Une des particularités aussi chez les araignées, c'est qu'il y a un dimorphisme sexuel. Donc les femelles et les mâles ont des formes un peu différentes. Notamment, je vous le disais tout à l'heure, les pédipalpes qui, chez les mâles, sont transformés et vont leur servir pour la reproduction. C'est-à-dire qu'avec ces pédipalpes, ils vont aspirer leur semence pour pouvoir ensuite l'injecter dans l'organe génital de la femelle, que l'on appelle l'épigyne. Donc vous avez une photo de chaque. Vous voyez une épigyne de la femelle de cette petite érigone et le pédipalpe du mâle, et ça va fonctionner comme une clé dans une serrure. Donc chaque espèce a une forme différente et elles ne peuvent pas s'évoluer ou s'évoluer avec d'autres espèces que la sienne. Et vous voyez chez le mâle aussi, le céphalothorax des fois qui est un petit peu extravagant. Il y a certaines espèces où c'est encore plus extravagant. Et voilà, ça lui sert aussi à ce que la reproduction se passe bien. Ce qu'on va voir après, c'est un petit peu sportif, la reproduction chez les araignées. Donc le pédipalpe chez le mâle, voilà, qui est renflé, alors que chez la femelle, il est normal. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître à l'œil nu. Voilà, si vous voyez une araignée avec les pédipalpes qui sont en forme de gant de boxe, c'est sûrement un mâle. Et si par contre ils sont tout fins, c'est sûrement une femelle. Alors attention, si c'est un jeune individu, les pédipalpes peuvent ne pas être encore très développés, très renflés. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que comme tous les arthropodes, donc les invertébrés, les araignées vont grandir, elles sont diminuées.
vu que le squelette il est à l'extérieur, mais si elle va grandir, bah, il faut qu'elle change de, il faut qu'elle change de peau. Donc elles vont muer jusqu'à être adultes. Et ensuite, elles ne vont plus muer, sauf chez certaines espèces, notamment certaines mygales qui continuent de muer même à l'état adulte. Donc une autre particularité, c'est qu'elles ont des modes de chasse très variés. Donc, il y en a qui vont faire des toiles, comme je vous ai montré précédemment. Mais il y en a d'autres qui vont chasser à l'affût, comme les araignées crabes, qui se tiennent comme ça sur les fleurs. Donc ces araignées crabes, elles se mettent sur des ombelles, vont souvent changer de couleur pour pouvoir prendre la couleur de la fleur, pour être le mieux dissimulé, et chasser leur proie sur les fleurs. Il y a d'autres espèces qui chassent à vue, comme les araignées sauteuses ou les araignées loups, qui vont soit s'approcher à l'affût, soit se promener et puis profiter d'une rencontre pour sauter sur sa proie. Donc voilà, des modes de chasse assez variés en fonction des espèces et des familles rencontrées. Et vous voyez en ce moment-là, sur les matinées d'automne, que les prairies sont complètement colonisées par les toiles d'araignées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de prairies hautes, prairies humides, où on a des herbes qui peuvent faire 1,50 m, voire un peu plus de hauteur, sur 1 mètre carré de prairies, on peut rencontrer jusqu'à 200 araignées. Donc vous imaginez un peu la densité, en sachant que voilà, la plupart sont microscopiques, hein, font pas plus de 5 mm. Donc elles s'étagent, elles s'organisent en strates, mais voilà, elles colonisent à peu près tous les milieux possibles et imaginables. Alors une autre particularité aussi, c'est la reproduction. Et la reproduction chez les araignées, ben, quand on est un araignée, c'est compliqué, parce qu'il va falloir faire comprendre à la femelle qu'on n'est pas une proie. Et les femelles ont voilà, un instinct de prédation assez développé. Et voilà, quelque chose qui bouge, potentiellement c'est une proie et on va essayer de l'attraper. Donc les mâles ont développé des techniques plus ou moins élaborées pour pouvoir se faire remarquer et faire comprendre aux femelles que ce ne sont pas forcément des proies. Donc les plus spectaculaires, ce sont les araignées pan. Ce sont ces petites araignées sauteuses dont vous avez une photo en haut à droite, que l'on trouve pas en France, ce sont plutôt des araignées tropicales, qui vont servir de leur abdomen qu'elles vont relever, un abdomen qui est souvent très, très coloré, et elles vont faire une danse pour essayer de séduire la femelle, avec leurs pattes notamment. Nous, on a un exemple en France, c'est notre petit Saintis, il s'appelle, qui lève les pattes et qui fait une danse devant la femelle pour essayer de la séduire et de dire de ne pas le croquer. Alors, les femelles ne croquent pas systématiquement les mâles, hein, chez les araignées. Ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout une généralité. Parce que vous voyez sur la photo en bas à gauche, vous avez une petite araignée. Dont le mâle est en train d'essayer de lui faire des câlins et des bisous pour essayer de la conquérir, et la femelle reste timide et elle va peut-être répondre à ses avances, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas grand risque qu'il se fasse croquer. Par contre, chez une autre épère, vous avez le mâle qui s'approche délicatement de la toile de la femelle et qui va faire un peu de guitare avec les fils de la toile pour faire comprendre à la femelle que oui, c'est monsieur qui arrive et qu'il aimerait bien pouvoir approcher jusqu'à madame sans se faire croquer non plus. Bon, en général ça se passe bien, mais des fois il fait beaucoup d'efforts et il arrive quasiment à se reproduire, mais c'est dangereux. C'est comme ça. Quand quelqu'un a faim, il ne peut pas y faire grand-chose. Une autre technique aussi, c'est chez la pisore. Donc ça, c'est une espèce qu'on peut trouver chez nous en abondance. Le mâle va capturer une proie, va l'empaqueter et va la donner en présent à la femelle. Et du coup, pendant qu'elle va consommer sa proie, lui, il va en profiter pour
sont deux fois. Donc ça, on a une technique assez sérieuse que vous pouvez voir chaque printemps chez nous, si vous regardez un peu dans les hautes herbes. Dernière petite photo aussi en bas qui vous montre le mâle et la femelle qui sont dans la même voile et qui vivent ensemble, et ça se passe très très bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas une généralité que la femelle croque le mâle systématiquement. Alors il y en a qui sont un petit peu plus viscères. Chez la famille des Pteridés, donc c'est la famille de la veuve noire, c'est une famille qui regroupe plein d'espèces, hein, dont celle-ci que je vous montre, qui est assez magnifique, mais qui ne vit pas en France. Donc le mâle va se poster à proximité d'une jeune femelle, et en fait il va attendre que la femelle mue en adulte, et quand la femelle va être juste muée, toute molle et incapable de rien faire, il va en profiter pour la féconder. C'est pas très rigolo. Et donc voilà, après tous ces efforts, on passe au sérieux, aux choses sérieuses. Donc voilà, le mâle doit injecter sa semence dans l'épigène de la femelle par le biais de ses pédipalpes. Donc il y a plusieurs techniques, hein. Soit ils font ça en face à face, comme en haut à gauche. Chez les araignées sauteuses, c'est un peu plus judo, donc le mâle ceinture la femelle et puis on profite pour se reproduire, c'est ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche. Chez les lignes fidèles, par contre, c'est un peu plus risqué parce que le mâle se retrouve vraiment sous la femelle et sous les crochets de la femelle. Et donc c'est chez cette famille qu'il y a beaucoup de mâles qui ont des protubérances sur la tête, qui pourrait permettre à la femelle de s'occuper et éviter qu'elle ait envie de croquer le mâle. Et aussi sur cette protubérance, il semblerait qu'il y ait des sécrétions de phéromones de substances qui calment la femelle, qui peut-être la rendent un peu stone, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe chez cette famille-là. Et puis chez d'autres araignées qu'on peut voir dans les musées aussi, qui sont les tétragnates, qu'on trouve au bord de l'eau. Le mâle et la femelle vont se bloquer les crochets mutuellement. C'est ce qu'on voit sur la photo en haut à droite. Et pendant que les crochets sont bloqués, le mâle va en profiter pour injecter sa semence. Voilà un peu pour la reproduction des araignées. Donc ensuite, une autre particularité, c'est que les femelles, de manière générale, ont un instinct maternel très très développé. C'est-à-dire qu'elles vont prendre un soin très délicat de leurs œufs et de leur descendance. Notamment en fabriquant des cocons, et puis soit en les portant, ou soit en les laissant de manière sûre dans la végétation, c'est ce qu'on peut voir sur les illustrations. Donc vous avez certaines espèces qui fabriquent un coton cocon et qui vont le porter soit accroché aux chélicères, soit accroché aux filières. Donc les filières, c'est les petits tubes qui fabriquent la soie. Donc c'est ce qu'on voit en haut à gauche et en bas à droite. Et il y a d'autres espèces qui vont fabriquer un cocon dont la mère va rester dessus jusqu'à l'éclosion des jeunes, sans se mouvoir, sans bouger. Et il y a d'autres espèces aussi qui vont fabriquer un cocon rembourré qui va pouvoir passer l'hiver, puisque la femelle va mourir à la fin de l'automne. Et donc les œufs vont être en sécurité dans une boule bien isolée, avec de la soie bien rigide, pour pouvoir passer l'hiver à l'état de jeune araignée à l'intérieur et pouvoir sortir l'année d'après. Un instinct maternel très très développé, qu'on peut voir aussi sur ces photos, où lorsque les petits sont éclos chez les araignées loups, donc les araignées loups c'est celles qui promènent leur cocon accroché aux filières, les petits vont se réfugier sur l'abdomen de la mère, c'est ce qu'on voit sur la photo de gauche, et ils vont y rester jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour pouvoir se disperser tout seul. Donc, il y a certaines publications qui disent que c'est pour échapper
au creux de la mer, mais ce n'est pas la mer. C'est vraiment la mer, on sait très bien ce qu'elle a sur le dos, et elle en prend un soin particulier. Et on peut aussi trouver des araignées, c'est pareil, la famille de la veuve noire, en haut à droite, où les petits vont être dans la toile de la mer, et vont profiter des proies que la mer va capturer, et va prédigérer aussi. Donc elle va régurgiter du liquide nutritif pour ses enfants. Et le paroxysme, c'est certaines espèces qui vont s'enfermer dans un cocon avec les petits, qui vont se laisser mourir pour pouvoir être dévorés par leurs enfants, et ça leur servira de premier repas. Donc la maman, chez certaines espèces, sert de premier repas pour les enfants. C'est le cas notamment pour ceux qui connaissent de l'hérèse coccinelle qu'on peut trouver en Limousin. Donc il arrive souvent de voir des amas de petites araignées comme ça dans la végétation. Donc, ce sont des jeunes épères qui restent tout ensemble un certain moment et qui vont ensuite se disperser. Et ça aussi, c'est une des particularités des araignées, c'est que pour se disperser, elles vont s'envoler. Voilà, elles vont s'envoler avec le vent et avec leur fil de soie. Donc, c'est-à-dire que au printemps et à l'automne, en ce moment, on peut voir des jeunes araignées sur des piquets de clôture, sur des barbelés, sur des feuilles qui vont avoir le cul en l'air. Et c'est en fait parce qu'elles sont en train de fabriquer du fil de soie qui va leur servir de parachute, en fait, de montgolfière. Et qui va leur permettre de décoller quand il y aura assez de fils de déployer, elles vont être emportées avec le vent et les courants aériens vers le petit bonheur, la chance, vers d'autres contrées, et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir se disperser. On voit sur cette photo un avant-après, vous voyez l'araignée qui a le cul en l'air, et hop, elle va s'envoler, et on voit le bout de fil qui reste. Et qui va ensuite se décrocher avec la tension de l'aéronef de Fortune. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir, soit en ce moment, soit au printemps aussi, sur des champs, des espèces de draps de toile d'araignée qui en fait sont les résidus de ces parachutes de Fortune qu'ont utilisé les jeunes araignées pour se disperser. Voilà un peu pour leur particularité. Maintenant, je vais vous montrer quelques araignées, parce que je ne vais pas vous montrer les 600 espèces présentes dans le monde, mais quelques-unes que vous pouvez voir en ce moment, et puis dans votre maison ou à proximité. En ce moment, voilà, vous pouvez voir l'argile frelon. Donc c'est une des plus grosses araignées françaises. Hein. Donc c'est énorme. Hein. C'est 20-25 mm de corps. Quand on parle de la grandeur des araignées, on parle du corps, c'est tout. Hein. Donc, sans les pattes, sans les chélicères aussi, qui peuvent être des fois assez grandes, sans les filières aussi, qui peuvent être des fois très très grandes. Donc, la plus grosse araignée en France, elle doit faire 3 cm et demi de corps. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal, je crois. Avec les pattes, ça devient plus grand, effectivement. Les pattes, c'est que des pattes. Hein. Donc, cette argile-là, c'est elle qui fait ce cocon qu'on a vu suspendu dans la végétation, donc, où les jeunes vont passer l'hiver. En train de faire ça en ce moment. Vous pouvez la voir en ce moment, là, c'est maintenant qu'elle est adulte, donc l'été, la fin de l'été et puis l'automne. Dans la végétation, dans les buissons, aussi, vous pouvez même trouver dans votre jardin, si vous faites attention à ces bestioles-là. Donc elle fabrique une toile géométrique, elle aussi avec la particularité d'avoir un zigzag au milieu de la toile. Donc c'est facile à reconnaître avec ses marbrures noires et jaunes. Celle qui fait peur à tout le monde, la tégénaire de maison, la grosse noire aussi. Donc sous cette appellation, il y a plusieurs espèces. Parce que déjà, cette photo-là, ça regroupe 3 espèces. On est obligé de regarder sous binoculaire pour savoir à laquelle on a affaire.
Donc cette grosse légionnaire qui fait au maximum 22 mm de corps, mais qui peut avoir des grandes pattes, qui est très impressionnante, elle est inoffensive, ne vous inquiétez pas. Elle ne viendra pas vous sucer le sang la nuit. D'ailleurs, on va prendre un petit moment pour parler de ça, parce que il y a certaines personnes qui sont persuadées de se faire piquer par des araignées la nuit dans leur lit. Il y a très très peu de chances que ça arrive. Par contre, il y a mille fois plus de chances que ce soit soit un moustique, soit un acarien aussi, ou soit aussi des punaises de lit. Ces trois-là ont mille fois plus de raisons de vous piquer qu'une araignée. Une araignée, ça va mordre, plutôt que piquer d'ailleurs. Et il n'y a aucune araignée qui ne suce le sang, donc elles n'ont aucune raison de venir vous niaquer la nuit. Ne soyez pas apeurés par ça. Donc cette légionnaire inoffensive, et en plus elle va vous débarrasser de pas mal d'insectes qui vont vous embêter dans votre maison. Donc on va voir à cette époque-là, à l'automne, les mâles qui vont rentrer dans les maisons à la recherche de femelles. Vous remarquerez qu'en ce moment, voilà, les légionnaires ont tendance à rentrer dans les maisons. Donc elles ne vont pas venir vous terrasser. C'est seulement des mâles qui cherchent des femelles. Donc si vous vous remettez dehors, il y a de grandes chances qu'ils reviennent encore parce que voilà, ils cherchent vraiment. Des petites araignées qui sont sympathiques à observer, ce sont les araignées sauteuses. Donc c'est la famille des Salticidae, dont celle-ci qui est une araignée que vous pouvez voir sur les murs en sommet de vos maisons, qui va chasser les insectes, les mouches, comme sur la photo. On appelle une saltique à la harlequin, qui est assez facile à reconnaître avec ses aigrures sur l'abdomen. Donc c'est minuscule, hein, ça fait 10 mm. Donc il faut quand même bien regarder pour le trouver. Mais ça se voit facilement. Donc les araignées sauteuses, particularité de pouvoir faire des bonds qui peuvent aller jusqu'à 50 fois leur taille. Donc une petite araignée comme ça fait facilement un bond de 25 cm sans problème. Donc il y a d'autres araignées sauteuses aussi qu'on peut trouver chez nous. C'est la plus grande famille au monde. C'est-à-dire c'est dans cette famille qu'on trouve le plus d'espèces au monde, de forme et de taille complètement extravagante. Et chez nous, on peut trouver des araignées sauteuses myrmécomorphes, qui imitent les fourmis. C'est le cas de cette espèce-là qui est illustrée, qui est la myrmaracnée, voilà, on l'appelle comme ça. Donc elles vont utiliser leurs deux premières paires de pattes à l'avant pour imiter les antennes des fourmis. Et elles ont aussi le céphalothorax et puis l'abdomen qui sont rétrécis pour imiter aussi la forme de la fourmi. Donc elles ne chassent pas de fourmis. Elles ne vivent pas avec les fourmis, mais il semblerait qu'elles imitent les fourmis pour avoir moins de problèmes avec les prédateurs. Parce qu'il y a peu de prédateurs qui s'attaquent aux fourmis. Et d'autres espèces que vous pouvez voir aussi dans vos jardins. Et qui ont toujours la particularité d'avoir ces deux gros yeux à l'avant qui les rendent un peu espiègles. On peut trouver ce genre d'araignée aussi en limousin, qu'on appelle des épères fougères, des épères feuilles de chêne, parce qu'elles ont un joli motif sur l'abdomen en forme de feuille, souvent blanc. Et ce sont des araignées qui ont tissé des toiles géométriques aussi, donc en forme de bicyclette, et qui vont pouvoir être observées dans les prairies, dans les landes, dans les milieux humides aussi. Celle-ci, par contre, vous pouvez la rencontrer dans votre jardin, voire dans votre maison, voire dans votre voiture. Elle fait des toiles un peu partout. Il suffit que vous n'utilisiez pas votre voiture pendant deux jours et une épaire diadème peut avoir fait sa toile à l'intérieur de votre voiture. Donc celle-ci, elle est facile à reconnaître, elle est adulte en ce moment. C'est cette petite croix sur son abdomen qui est assez reconnaissable. Donc l'épère diadème, qui est une espèce très commune du chenet, et qu'on va trouver en ce moment.
Donc chez cette espèce, le mâle risque beaucoup quand il s'approche sur le pied de la femelle. En général, c'est féminin. D'autres qu'on va pouvoir trouver au bord de l'eau, ce sont les tétragnates. Donc c'est elles qui se bloquent les crochets lors de l'accouplement, qui sont souvent longues, qui vont faire des toiles géométriques aussi, et qui se rencontrent au bord des ruisseaux, au bord des étangs, sur les lisières de forêt aussi, il y a plusieurs espèces évidemment, et qui vont se mettre tout en haut pour, en cas de danger, contre une tige ou une feuille, pour pouvoir se dissimuler. Une autre espèce qu'on peut trouver au bord de l'eau, c'est les paires des roseaux, avec des motifs qui peuvent être orange, rouge, blanchâtre. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est le petit testicot qu'il y a sur l'abdomen. Je ne sais pas si vous le voyez. Une petite larve qui se trouve en bas à droite de l'abdomen. Vous avez une petite banane jaune. Mais en fait, ça, c'est la larve d'un parasite, d'une petite guêpe qui va pomper l'araignée jusqu'à la faire décéder et qui va s'en nourrir pour pouvoir se développer. Et ça permet de nous dire que les araignées ont des prédateurs aussi. En premier lieu, les araignées, parce que beaucoup d'araignées mangent d'autres araignées. Mais vous avez aussi des guêpes qui parasitent les araignées, qui vont même les paralyser et les emmener dans une petite amphore de terre qu'ils ont fabriquée et sur lesquelles elle va prendre un œuf et la larve va se nourrir de l'araignée paralysée mais encore vivante. C'est assez horrible. Et vous avez aussi des oiseaux qui mangent des araignées, vous avez aussi des chauves-souris qui peuvent chasser les araignées de nuit, qui les attrapent quand elles sont au milieu de leur toile. Tac. Donc les araignées aussi ont des prédateurs. Une autre famille assez diversifiée, ce sont les araignées crabes. C'est elles qui vont chasser sur les fleurs notamment, et qui ont la particularité d'avoir un venin très actif. Donc dès qu'elles vont injecter le venin va paralyser la proie. Et elles vont aussi s'en servir pour prédigérer la proie de l'intérieur, avec en plus leur salive. Et en aspirer ensuite le contenu de leur proie. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fois des mouches, des abeilles qui sont complètement mortes et vides sous les ombelles des fleurs, dans la végétation. C'est souvent le fait d'araignées crabes comme celle-ci. Et une qui est facile à reconnaître, c'est l'araignée Napoléon, la tomie Napoléon. Donc une petite araignée qui fait maximum 10 mm de long. Et qui a un motif qui invoque la forme du bonnet de l'abdomen sur son abdomen, qui peut être de diverses couleurs, ça peut aller du blanc jusqu'au rouge, comme vous voyez ici. Une des grosses araignées aussi qu'on peut trouver en Limousin, c'est la dolomène, donc elle vous la trouverez au bord de l'eau. Et cette dolomène, en fait, il y a deux espèces qui sont indifférenciables. Sans une grosse soupe ou une bidon. Donc il y a une espèce qui est assez commune dans le Limousin parce qu'on va la trouver dans les prairies humides, sur les tourbières, ce sont des lieux qui sont assez bien représentés chez nous encore. Et il y a une autre espèce, la dolomène des marais, où il y a très peu de stations en Limousin, et plus sur les grands étangs, au bord des rivières, et elle est menacée au niveau mondial. Et du coup elle est assez rare chez nous, et il faut s'en préoccuper. Une autre araignée que vous pourrez trouver dans votre maison, c'est l'araignée cracheuse. Elle crache. Elle crache son venin, et son venin, en fait, c'est un mélange de soie et de venin qui va lui servir à immobiliser sa proie et en même temps la paralyser, la neutraliser. C'est la cytode. La cytode, elle est grande comme ça, de 8-9 mm. Donc ouvrez l'œil dans votre maison, dans votre appart, vous pouvez en avoir, qui vont se planquer plutôt ou pas bouger la journée et qui vont se mettre en chasse la nuit. Et donc vous pouvez assez bien la reconnaître parce qu'elle a un céphalothorax qui est bombé et un motif assez particulier qui
qui a fait assez bien se distinguer des autres espèces que vous pouvez trouver dans votre maison. Une autre espèce, ben, c'est le fameux phoque. Donc c'est les grandes pattes très fines qu'on trouve dans les plafonds, sous les meubles, et qui ont l'air de rien comme ça, mais c'est des grandes chasseuses, puisqu'elles sont capables de paralyser, de neutraliser le tégénaire. Donc le tégénaire, c'est la grosse noire. Donc elles ont la particularité de pouvoir enrubanner leur proie avec leurs grandes pattes et en produisant beaucoup de soie. Elles vont réussir à envelopper leur tégénaire de soie, la tégénaire ne va plus pouvoir bouger, et là, elles vont s'approcher pour donner le coup fatal. Et comme les arlécrins, elles vont aspirer le contenu de leur proie. Et c'est ainsi que vous pouvez trouver des tégénaires dans votre maison qui sont compactés dans de la soie et qui sont complètement vides. Donc vous voyez comme ça. Mais c'est souvent qu'il y a une toile de phoque juste au-dessus. Voilà. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Les araignées mines, il y en a un paquet aussi qu'on peut trouver plutôt dehors. Donc quand vous promenez sur les chemins, dans les bois, vous avez souvent des araignées qui détalent devant vous, mais ce sont les araignées mines. Donc il y a différentes espèces, je ne vais pas vous les énumérer. Mais voilà, il y a certaines espèces qui sont facilement reconnaissables, comme les deux que je vous ai illustrées là. Celle de gauche, c'est un mâle. Et vous voyez, il a une espèce d'amande dessinée sur l'abdomen. Donc ça, c'est les lycoses renards. Avec une amande sur l'abdomen, c'est souvent leur nom latin, c'est Alopecosa. Et en français, on les appelle les lycoses renards. Et en bas à droite, vous avez une femelle. D'autres araignées sympas aussi, qui ont des couleurs assez particulières, ce sont les épères concombres. Les épères concombres, il y en a 4 ou 5 espèces en Mimosa. Vous pouvez les trouver dans votre jardin aussi, qui font des petites toiles dans les grandes feuilles de tilleul, par exemple, ou les haies de végétation type moustier, charme, etc. Donc, de très belles araignées qui sont 10 mm maximum. Et pour terminer, je vous présente la mouillère. On a une mouillère en Limousin. On a plusieurs espèces en Nouvelle-Aquitaine, mais en Limousin, on n'a qu'une espèce pour l'instant. C'est la mouillère à la chaussette. Alors pas de panique, elle est grande comme ça. Le café, elle est 20 mm grand maximum. Et c'est une araignée qui est très discrète, puisque la femelle va vivre dans un terrier qui se poursuit par une espèce de chaussette au sol, qui va lui servir à chasser, parce qu'elle va se mettre dans sa chaussette à l'envers, la tête en bas. Et dès qu'une proie va passer, elle va la cramponner avec ses gros crochets qu'elle a sur le devant du céphalothorax. Vous voyez qu'elle a deux tiges qui sont assez proéminentes, et qui lui servent notamment à creuser son terrier, et aussi à choper ses proies. Donc là, à gauche, vous avez une femelle. Difficile à voir. Par contre, à droite, vous avez un mâle, donc avec des plus grandes pattes, et puis on voit dépasser un petit peu de pattes aussi devant le crochet gauche. Et lui, par contre, on va le voir parce qu'il va chercher des femelles, donc il va se déplacer au sol, et il finit souvent dans des piscines, ces bestioles-là. Donc, il se voit, malheureusement, à la recherche de l'âme sœur. Et vous pouvez en voir en ce moment, puisque c'est en ce moment notamment que les mâles vont chercher les femelles. Voilà, j'en ai fini. Je voulais remercier les photographes, puisque c'est plein de photos de photographes qui m'ont gentiment transmis leurs clichés, Jean-Pierre et Lionel. Je voulais remercier le web aussi. Parce que ça fait un moment qu'on devait faire cette conférence, mais il y a eu quelques péripéties depuis un an et demi. Donc ça a été un petit peu agrandi. Et je suis tout de suite aux questions, si vous en avez. En sachant que j'ai ramené des bouquins aussi, si
si vous êtes intéressé par les araignées, voilà, vous en avez quelques exemples de bouquins qui existent dans la littérature française, qui sont de bonne facture, notamment chez les éditions de La Chaux de Messieurs. Vous avez un guide qui est une traduction d'un guide anglais qui est très très bien fait. Et sinon, un super bouquin qui s'appelle Arachna, qui a été réalisé notamment avec Christine Roller, qui est la spécialiste française des araignées, qui bosse au musée d'histoire nationale, et qui a été accompagné d'un photographe qui fait une super photo macro de ces petites bestioles. Voilà. Espèces, mais celui qu'on trouve dans les cages en général, c'est lui.
c'est le poète phalangiste, avec ses grandes pattes. Et il peut apparaître blanchâtre comme ça quand on voit la distance. Quoi. Oui. Alors, il y a certains adultes qui arrivent à survivre l'hiver. Il faut savoir qu'une araignée peut ne pas manger pendant plusieurs semaines. Par contre, il lui faut de l'eau. Il faut qu'elle boive, sinon elle meurt. Elle va pouvoir ne pas manger pendant plusieurs semaines sans problème. Donc, elles peuvent passer des périodes d'hiver, il n'y a plus d'insectes, sans trop de soucis. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse trop froid parce que ça peut les tuer aussi. Mais voilà, il y a certains adultes qui réussissent à passer l'hiver comme ça. Sinon, la plupart du temps, ils sont soit sous forme d'œufs l'hiver, soit sous forme de très jeunes araignées, mais qui sont dans des cocons qui sont à l'abri des intempéries. Est-ce que les araignées, avec leur toile, qui pourrait servir d'antenne, sont sensibles aux radiations électromagnétiques? Sur les radiations, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'on a drogué des araignées, voir comment fabriquer leur toile. Ça change, on fait de la drogue. Mais pour la sensibilité aux radiations, je ne saurais pas vous dire. C'est sûr qu'ils sont très sensibles au niveau des vibrations de l'air, des mouvements d'air. Elles entendent aussi, parce qu'elles ont des organes qui sont un petit peu comparables à des oreilles. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, mais il y a certains mâles qui font du bruit, qui frottent, qui vont faire de la musique pour se faire entendre des femelles. Ou chez les araignées loups, par exemple, les mâles d'araignées loups vont taper sur le sol, sur les feuilles pour se manifester auprès de la jeune féminine. Oui. J'avais deux questions. Est-ce qu'une araignée peut coloniser un autre insecte? Ce que je veux dire par là, c'est j'ai vu l'autre jour un scarabée qui grouillait de minuscules araignées, en fait, qui sortaient dessous de sa carapace. Oui. Alors c'est des acariens. C'était des acariens. Ça, c'est des acariens qui profitent de certains insectes. Ouais. Soit qui profitent en tant que taxi, soit qui vont lui pomper un peu la substance. Ça n'est pas l'air très sympathique en fait. Ce genre d'acarien, c'est juste taxi. Hein. D'accord. Les araignées ne vont pas s'en servir, sauf par exemple pour se faire une loge, mais ça sera un animal qui sera. Enfin, ce sera par exemple une carapace de. Une exuvie d'élus ou une exuvie de cigales, par exemple, ou une coquille d'escargot aussi. Il y a certaines espèces d'araignées qui utilisent les coquilles d'escargot, mais vides, hein. Enfin, c'est juste du support, et qui vont la faire grimper dans la végétation pour s'en servir de loge. Ça, c'est notre araignée. Et la deuxième question, c'est j'ai vu une araignée qui se déplaçait quand elle s'arrêtait, elle levait ses deux pattes avant. Et ça donnait l'impression qu'elle essayait de sortir, mais je pense que c'était pas ça. Et elle reposait ses pattes, elle repartait, et dès qu'elle s'arrêtait, elle relevait ses deux pattes. Oui. Est-ce que. Elle ne ressemblait pas à la fourmi que vous avez montrée, à la fourmi que vous avez montrée, mais c'était. Non, elle se repère, oui. Et puis elle va écouter, et puis sentir ce qui se passe. Parce que les trichomotrices, qui sont très sensibles, elles en ont plein sur les pattes. Donc en levant les pattes, ben, ça leur sert à se repérer un peu via les mouvements d'air, les vibrations qu'elles vont pouvoir ressentir. Il y a certaines espèces qui font ça, mais parce que c'est des mâles qui ont une femelle en face d'eux. Et donc là, ils vont lever les pattes pour dire « Salut, c'est moi ». Là, c'était est-ce que. Oui, je vous en prie. Oui, j'ai deux questions, s'il vous plaît. En été,
sur un nœud blanc, on voit plein de petites, vraiment certaines de petites araignées rouges, toutes petites rouges vives. Oui. C'est quoi? C'est des araignées? Ça, c'est des acariens. Des acariens. Acariens, donc c'est des arachnides, hein, c'est la grande classe des arachnides, mais c'est pas des araignées. D'accord. Les acariens, bon, c'est plus petit, ça quand même des crochets, ça a 8 pattes, mais ça a des fois moins de pattes. Avoir 5 pattes, 6 pattes. Les acariens, il y a des milliers d'espèces. Il y en a partout, les acariens, il y en a sur votre corps, dans le cuir, sur le fromage, il y en a partout. Dans vos chaussures, entre vos orteils, il y a de la filière partout. Mais les acariens ne sont pas des araignées. Ça fait partie de la grande classe des arachnides, mais voilà, c'est différent. Donc les petites rouges qui vont dans tous les sens sur les murs, ce sont des acariens. Et la seconde question, vous parliez tout à l'heure des géniers, non, les grosses araignées noires qui rentrent dans les maisons. Les TGMR. Voilà. Chez moi, je les trouve beaucoup au premier étage. Quand j'arrive dans la salle de bain, qui est matin, dans le lavabo, dans le baignoire, dans la douche. Donc, est-ce qu'elles remontent par les siphons, si je puis dire, ou est-ce que c'est la présence d'eau, elles sont rentrées par je ne sais où, et c'est la présence d'eau qui les attire à ce moment-là? Alors, ça peut être la présence d'eau, parce que souvent les mâles, quand ils rentrent dans les maisons, ils ont grand soif, parce que donc, les mâles, quand ils sont en recherche d'une femelle, ils vont oublier de manger, ils vont oublier de boire, ils cherchent comme ça. Donc il arrive souvent qu'on rencontre les mâles dans les maisons, ils sont, vous voyez l'abdomen qui est complètement flétri, c'est-à-dire qu'ils ont très très soif. Vous pouvez d'ailleurs leur présenter une goutte d'eau au bout du doigt, et ils vont venir la boire. Ça vous dit. Bon, mais le fait qu'ils arrivent dans les baignoires, c'est que ce genre d'araignée n'a pas de ce qu'on appelle des scopula, donc un petit faisceau de poils au bout des pattes qui servent à certaines espèces à grimper n'importe où. Les araignées sauteuses peuvent grimper n'importe où parce qu'elles ont ces petites soies au bout des pattes. Les tégénaires, elles n'ont pas ces soies, elles ont juste deux ou trois griffes. Donc quand elles se retrouvent dans une baignoire, elles ne peuvent plus remonter la pente. Donc elles se retrouvent piégées. Elles ne remontent pas du chiffon, non, c'est qu'elles sont tombées dans la baignoire et qu'elles n'arrivent pas à remonter la pente. Parce que ça glisse. Et qu'elles sont pas équilibrées. Oui. Oui, après ça, des tégénaires, vous dites qu'elles rentrent dans les maisons pour chercher leurs femelles. C'est-à-dire que les femelles, elles vivent dans les maisons la plupart du temps. Oui. Et vous ne les voyez pas. Voilà. Et celles que vous voyez en général finissent mal. Donc il y en a, mais celles qui restent, ben, c'est qu'elles sont cachées. Et elles sont bien cachées. Ça peut être sous un meuble, ça peut être derrière un meuble. Ça peut être évidemment dans la cave, dans les endroits un petit peu reculés, les endroits où on ne voit pas trop. Un carton qui reste en place un certain temps, il y en a un qui va s'installer qu'elle fait un peu dedans. Il y a toujours une araignée à moins d'un mètre de vous. Voilà. Elles sont partout. Mais c'est bon signe si vous avez des araignées dans votre maison. C'est signe d'une maison saine. Oui, jeune fille. Est-ce que les araignées, par contre, peuvent mordre? Les araignées peuvent mordre, oui. Elles peuvent mordre. Est-ce qu'elles arriveront à te mordre? Alors pourquoi elles te mordraient? La première défense de l'araignée face à un humain, par exemple, ça va être de s'enfuir. Donc elles vont se laisser tomber, s'enfuir pour éviter de manger. Donc si tu veux qu'elle te morde, il faudrait que tu l'attrapes déjà. Tu attrapes l'araignée dans tes doigts. Il faut qu'elle soit assez grosse pour pouvoir te percer ta peau, même si c'est la petite peau d'enfant. La plupart des araignées, elles sont pas assez fortes pour te percer la peau. Et si elle arrive à te percer la peau, ensuite il faut qu'elle t'injecte du venin, ce qui n'est absolument pas le cas dans la plupart des cas, puisque le venin c'est dur à fabriquer pour une araignée, donc elle va le garder vraiment pour ses proies. Donc si tu te fais mordre par une araignée, c'est vraiment que tu vas chercher sacrément. Donc il y a quasiment pas d'araignées qui peuvent mordre en France. C'est les grosses espèces. Il n'y a aucune araignée qui va vous tuer en France. Et dans le monde, il n'y a quasiment plus d'araignées qui tuent les gens.
Il y avait des soucis en Australie, parce qu'il y a les Meagles en Australie qui ont un venin très très actif sur les hominidés, donc les moux et les singes. Mais il y a un sérum qui a été fabriqué, et voilà, si les gens sont morts, ils prennent le sérum et ils évitent de mourir. Il y a beaucoup plus de risques de mourir d'une allergie à une abeille ou au frelon que d'une araignée. Alors il y a la peste noire en France, on peut trouver sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse notamment. Mais c'est une araignée qui est très discrète, qui va vivre au pied des buissons, dans des tas de bois, qui ne va pas venir chercher le contact avec l'homme. Donc il faut vraiment la chercher pour se faire mordre par cette araignée. Et la veuve noire, elle est grosse comme ça. Ouais, c'est pareil, c'est pas un truc comme ça. C'est la veuve noire, elle est grosse. C'est ça. Il y a l'araignée violoniste aussi. Vous voulez qu'on en parle de l'araignée violoniste? Vous en avez entendu parler? Non? Le roman de Fred Vargas, en sort la recluse. Ça vous dit quelque chose? Donc voilà, la recluse, c'est une espèce d'araignée qu'on trouve dans le Midi, la France aussi. C'est une araignée qui est toute petite, hein, qui est grosse comme ça, qui a des pattes un peu plus grandes par contre, et qui vit recluse, c'est-à-dire qu'elle vit sous les pierres, elle vit derrière les meubles, il faut qu'elle soit cachée. Mais des fois, cette espèce-là, elle aime bien se fourrer dans les vêtements. Si vous laissez un vêtement par terre, par exemple, elle peut se mettre dedans pour se cacher. Donc quand vous allez mettre le vêtement, vous allez écraser l'araignée et elle peut avoir le temps de vous mordre avant de se faire écraser. Donc il y a eu certains accidents, des morsures, dans le sud de la France, mais c'est 3, 4, 5 morsures depuis 10 ans. Et la morsure est nécrosante, c'est-à-dire que ça va vous faire un bleu qui va se nécroser, et ensuite la peau va se reconstituer. Ça arrive que très rarement, ça. Très très rarement. Il y avait une question, excusez-moi. Donc on ne peut pas avoir l'éruption cutanée avec une morsure d'araignée? C'est possible. On peut faire une allergie. Hein. C'est pas comment les gens réagissent différemment. Il peut y avoir une réaction allergique suite à une morsure d'araignée, c'est possible. Avoir une éruption de bouton, c'est très possible. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Coup de fatigue, oui. Parce que le venin, certains venins sont un peu neurotoxiques. Donc ça agit un peu sur le système nerveux. Et sinon, les éruptions de bouton, sûrement pâti de cette diminution de la ressource.
mais on ne peut pas en être certain, on n'a pas de chiffres robustes, fiables là-dessus. Oui, une question. Vous avez parlé tout à l'heure des espèces menacées. Je voudrais savoir en fait s'il existe des mesures de protection. En France, il y a une espèce qui est protégée par la loi au niveau national, c'est la matoutou. C'est une mygale qu'on trouve en Guyane et en Martinique et en Guadeloupe, qui est une très jolie araignée et qui fait l'objet d'un commerce assez furieux. Et c'est pour ça qu'elle est protégée. Parce que le trafic fait que ça menace les populations. Donc il y a juste cette espèce qui est protégée par la loi. Sinon, c'est tout au niveau réglementaire. Ensuite, il y a la dolomètre dont je vous ai parlé qui est classée liste rouge au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'elle est menacée à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas une mesure de protection, c'est juste l'information. Donc oui, il faut faire gaffe à cette espèce parce que sinon elle disparaît. Et le projet liste rouge, c'est ça aussi, le porter à connaissance de certaines espèces qui sont menacées par nos activités ou les disparitions d'habitats ou le changement climatique aussi. Parce qu'on a pas mal d'espèces qui vivent dans les tourbières en montagne qui vont sûrement disparaître à cause du réchauffement de la planète. Quels sont les moyens pour faire entendre les observateurs? Je vous demande pardon. Par quels moyens pouvez-vous, en tant qu'observateur, vous faire entendre? Par ce projet de liste rouge déjà. Mm-hmm. Voilà, ça permettra de faire connaître le monde des araignées. Et puis, en faisant des conférences comme ça aussi, en faisant découvrir aux gens les araignées, et puis le fait que c'est pareil, il y a des espèces qui sont menacées, que toutes les araignées ne sont pas bonnes à écraser, c'est la chaussure. Et aussi, en étudiant sur ces animaux, c'est en mieux les connaissant, donc en mieux les connaissant leur répartition, notamment, qu'on arrivera à mieux les connaître et à savoir quelles sont les espèces menacées et qu'est-ce qu'il faut faire pour les préserver, en sachant qu'en général, c'est souvent la préservation des milieux où ils vivent qui fait qu'on arrivera à préserver les espèces en question. Oui, vous n'avez pas parlé de L'argironnette, elle est très rare. En Limousin, il y a une ou deux observations, c'est tout, depuis. Et autrefois, en moyenne, depuis 20 ans. Alors attention, parce que des fois, il y a des araignées qui plongent dans l'eau, qui sont dans des argironnettes. Mais la cloche, oui. C'est sûrement une espèce qui a régressé fortement. Il y a une trentaine d'années, j'ai capturé de nombreuses. Oui. Non, mais là, en nous disant, on n'a qu'une donnée depuis 20 ans. Donc, si on envoie, on peut les signaler. Si vous envoyez, vous les signalez. Alors, vous pouvez signaler via un portail qui s'appelle Faune Limousin. Vous tapez Faune Limousin sur Internet, vous verrez, c'est un portail d'observation de la faune dans notre région. Et vous pouvez noter vos observations d'araignées, effectivement. Vous pouvez noter des observations d'oiseaux, de papillons, du bébule, etc. sur ce portail. Oui, il y a une dame qui vous pose une question. Merci. Et pour revenir sur l'histoire de la liste rouge, je voulais savoir comment vous, en tant que professionnel, vous allez inventorier le nombre d'individus, des espèces qui sont sur le terrain, d'autant plus que c'est des espèces pour certaines d'entre elles, vous avez dit, qui sont. Enfin, les individus sont voire sont dans des terriers. Oui. Donc, le travail me semble énorme à faire pour inventorier l'état de menace qui pèse sur les espèces. Voilà, c'est un travail. Un travail professionnel et à côté aussi, en fait, ça prend une grosse part du temps libre. Pour les inventorier, il y a une technique assez efficace. C'est l'aspirateur. L'aspirateur à feuilles. Vous voyez un aspirateur à feuilles, c'est fait.
avec lequel vous aspirez les feuilles mortes, qui les broie et qui les rejette après derrière. Et là, on utilise un aspirateur comme ça, on met une chaussette dans le tuyau, et on va aspirer le sol ainsi, et comme ça, on va pouvoir aspirer toute la faune qui se cache dans le sol de la végétation. Et ça, c'est très 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 efficace pour récupérer les araignées. Après, on peut chasser à vue, on peut taper sur les arbres aussi pour faire tomber les araignées dans une nappe de battage. Et on peut mettre aussi des pièges au sol dans lesquels les araignées vont tomber et se noyer, par contre. Et après, on les récupère pour les identifier. Donc, il y a un tas de méthodes qui sont communes à l'étude des insectes aussi, parce que les insectes, c'est un domaine immense. Et qui font que voilà, on arrive à, petit à petit à mieux les connaître et mieux les prendre en compte. Mais si vous êtes intéressé par des sorties, il faut se renseigner parce qu'il y a un calendrier des sorties organisé notamment par le Conservatoire d'espaces naturels, dont certaines sur les araignées, donc si ça vous intéresse, je vous convie d'aller visiter le site internet du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Du coup, vous avez dit tout à l'heure que les toiles d'araignée au centre c'était collant et donc du coup elles pouvaient permettre que les insectes les soient collés. Oui. Et après elles sont glissées du liquide à liquéfier tout ça pour se barrer. Du coup, qu'est-ce qu'elles font après de ces carapaces ou ce qui reste? Comment elles s'en débarrassent? Alors, soit elles s'en débarrassent, donc elles le laissent tomber au sol. Soit elles vont le laisser sur la toile aussi, ça arrive chez certaines espèces, elles s'en servent pour se dissimuler. C'est-à-dire qu'elles vont vont laisser leur proie le long d'une ligne, par exemple, dans la toile, et elles, du coup, elles vont se mettre au milieu. Et comme ça, elles seront dissimulées dans le tas de cadavres. Et du coup, elles ont moins de risque de se faire manger par un oiseau ou autre prédateur. Les femelles qui sont En général, les femelles sont plus grosses que les mâles parce qu'elles vont avoir la production d'œufs dans leur abdomen qui va faire gonfler l'abdomen. Et quand elles vont avoir pondu, l'abdomen va se rétrécir automatiquement. Les mâles, c'est pareil, ils ont souvent des plus grandes pattes avant pour pouvoir essayer de toucher les femelles sans se faire croquer. C'est des généralités, mais qui ont toujours des exceptions. Mais en général, le mâle est plus petit que la femelle, et chez certaines espèces, le mâle est vraiment plus petit que la femelle. Et c'est d'ailleurs une technique aussi pour éviter de se faire croquer. Il est tellement insignifiant que la femelle n'y fait pas attention. C'est le cas des néphiles, là, donc les grosses araignées qu'on peut trouver à la Réunion, par exemple, qui ont des toiles de 2 mètres de diamètre. Donc ces néphiles, là, les mâles qui sont plus. Donc le mâle peut se promener sur la toile sans risque de se faire couper. Oui. Oui, les paysans, vous avez donc une araignée qui est presque une araignée domestique. On la regarde tous les jours. On a appelé des développes d'ailleurs, on voit avec les enfants. Et elle a eu une domestique dans un petit vase qui est juste à côté de la fête. Donc quand les toiles fait sa toile, elle redescend dans le vase. Et alors, c'était juste pour avoir le fantasme un peu sur cette petite bête là. Et on a l'impression qu'il y a une patte qui est posée sur un fil. Oui, c'est ça. Ah non, je voulais avoir ça. C'est ça. Il y a une patte posée sur un fil. Oui. Qui va sans doute alerter s'il y a une proie. Exactement. C'est un fil avertisseur. Donc vous avez votre poêle qui est fabriquée. Oui. Et vous avez un fil qui va à la retraite ou à la loge de l'araignée. Et donc l'araignée est à l'abri dans sa loge. Par contre, par le biais de ce fil avertisseur avec lequel elle communique, parce qu'elle a une patte dessus, donc elle va sentir chaque vibration, et elle va sentir tout de suite s'il y a une proie qui s'est pris dans la toile. Il y a pas mal d'araignées qui font une toile géométrique qui utilisent cette technique-là. J'ai une autre question par rapport à cette araignée. Si on veille à son confort au maximum, donc j'ai appris ce soir qu'elle va avoir soif. Oui. Comment
Alors, normalement, elle arrive à se débrouiller toute seule. Elle va pouvoir se trouver à boire assez facilement. Et si vous voulez absolument de l'eau et vous amuser en même temps, vous pouvez mettre un peu de pulvérisateur sur la toile, par exemple. Donc ça permet de voir l'architecture de la toile. Et puis en plus, de donner de l'eau à l'arrivée. Ça peut être sympa, ça. Oui, monsieur. Il y a eu des études là-dessus, oui, au niveau mondial, où c'est je ne sais pas combien de milliers de tonnes d'insectes ingérés. Mais oui, c'est assez significatif ouais, ce qu'elles peuvent consommer dans une maison. Mais je saurais pas vous dire, comme ça. Je pense qu'elle consomme 80% de son poids par jour. Je crois que c'est une moyenne, ça. Alors après, il faut faire le calcul en fonction du poids d'araignée, de durée de vie, de chasse, de la vie. Une petite question, est-ce qu'il existe des araignées sociales en France métropolitaine ou c'est des choses qui existent plus dans les pays? Alors, les véritablement sociales, c'est plus en forêt tropicale. Donc, ils font des toiles immenses. Vivent à plusieurs dizaines, voire centaines de derniers sur la toile, et qui vivent en communauté, qui partagent la nourriture, etc. Ça, c'est tropical. Nous, on a juste des araignées qui vivent vraiment en promiscuité, donc qui ont chacune leur toile. Donc chacun chez soi. Près, mais chacun chez soi. Est-ce que le changement climatique pourrait évoluer une tendance solidaire vers. Je ne pense pas. Ça reste quand même des prédateurs et chez moi, dès que ça bouge, c'est potentiellement comestible. Donc je pense pas. Après, à voir, peut-être que dans les prochaines décennies, il va y avoir des modifications de comportement, mais pour l'instant, ça ne s'observe pas. Entre 50 et 200 euros.
femelles peuvent faire plusieurs cocons en une vie d'adulte, en une saison. Elles peuvent faire 2, 3, 4 cocons. Et le temps de développement de l'œuf à l'année juillet, en saison, de reproduction, ça va être 2 semaines. Une à deux semaines de développement embryonnaire. Et ensuite, hop, les œufs vont éclore à l'intérieur du cocon. Et ensuite, après la première nuit de l'araignée, hop, ils vont se sortir. Bien. Je vais vous libérer. Vous allez pouvoir regarder sur vos chiens, Donc la prochaine conférence de l'OLED, c'est le mercredi 20 octobre. Ça sera sur les champignons toxiques. Voilà.